Je ne peux pas laisser ça passer, mesdames et messieurs. Ça, c'est de la foutaise. Hein? Mais ce monsieur, c'est un perroquet. Alors, je ne vais pas vous dire le nom de la personne, mais il y a quelqu'un qui m'envoie un SMS en me disant Tu appelles le mari des gens perroquets, toi aussi? Non, mais je suis désolé. Je suis désolé, ma chère. Je suis désolé. Ok? Si le mari des gens se permet de traiter hein, euh, la personne la plus, la plus influente de notre république, il se permet de parler de lui de la sorte. Je suis désolé, mais je pense que c'est le, le mot ou c'est le nom, ou c'est-à-dire cest c'est ce qu'il faut, c'est le qualificatif qu'il faut. D'accord Je n'essaye pas de personnaliser l'animal, mais je, je sais juste de. De, 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 de trouver le comparatif, le qualificatif qu'il faut. C'est justement ça. Hmm? Ce n'est pas une personnification de l'animal. Vous savez, le perroquet euh, répète chaque fois ce que euh, nous disons, d'accord Et lui, il se livre à ce même jeu. Si vous ne savez pas, ce monsieur-là est acheté. À chaque sortie contre CDD, il reçoit une grosse somme. Il se dit président d'un parti politique pour avoir simplement de l'humilité. C'est tout simplement cela. Il se dit président d'un parti politique pour ne pas que quand on le touche, voilà, pour ne pas qu'on le touche simplement. Vous savez, quand on est président de parti politique, vous avez une certaine immunité en Guinée. C'est tout simplement cela. Alors, ce monsieur, c'est un corrompu. C'est l'homme le plus corrompu de la Guinée. C'est l'homme le plus vendu de la scène politique guinéenne. Je vous dis, même un simple Elie Kamano ne peut pas se permettre de tuer son temps dans le vide en parlant d'une heure et quelques de CDD. C'est impossible, Elie Kamano ne peut pas le faire. C'est-à-dire, lui, on l'achète. On dit, viens, viens nous dire ou viens nous parler de ce monsieur-là. Viens insulter ce monsieur, viens le traiter de tout. On le donne 10 millions, on le donne 15 millions, on le donne 20 millions. Uniquement pour ça, vous savez, il n'a pas de travail, il n'a pas d'emploi. Depuis qu'il a été démis de ses fonctions ministérielles en Guinée, il n'a plus d'emploi, il n'a pas de revenus, il ne travaille pas, il ne gagne pas d'argent, il n'a pas de collaborateurs à l'international. Son parti politique-là n'est même pas connu en Guinée. Vous allez à Cancan, le parti n'est pas connu. Vous allez à Zérékoré, le parti n'est pas connu. Vous allez à Labé, le parti n'est pas connu. Même à Conakry, le parti n'est pas connu par tout le monde. Moi-même je ne connais pas le nom de son parti. Est-ce que vous pouvez me dire le nom de son parti Hein Vous pouvez me donner le, le nom de ce parti du parti de ce monsieur là. Il va s'asseoir à dans les je ne sais pas si c'est une télévision, ou bien si c'est une radio, si je peux me permettre comme ça, parce que je ne sais pas, ces journalistes-là, ils font quoi là-bas Mais ça ne m'étonne pas. Ce sont des gens qui sont attachés à la mouvance. Écoutez, regardez leur politique, une politique très sale. On appelle CDD, on finit l'interview avec CDD, et le lendemain, on appelle Macanera. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ça On appelle CDD, on fait une heure et quelques avec lui. Le lendemain, on appelle Macanera pour venir parler de CDD. Mais c'est des malhonnêtes ces journalistes là. Et Macanera lui-même qui vient, il est payé. Hein? Un faux type comme ça qui vient s'asseoir devant euh, tout le monde, ok Pour passer une heure et quelques à parler de CDD. Écoutez, parler de CDD, est-ce que c'est un projet de développement C'est la question que je me pose. Tout le discours qu'il a tenu, c'était de parler de CDD. Parler de lui dans les médias là, est-ce que c'est un projet de développement Est-ce que c'est une création de solutions de sortie de crise en Guinée est-ce que ça change quelque chose dans l'économie guinéenne Est-ce que ça change quelque chose dans la situation, euh, dans l'amélioration des conditions de vie en Guinée Si ce n'est pas de créer de l'amalgame, moi je ne trouve pas l'intérêt qu'il aille s'asseoir pour dire Ah non, quelqu'un qui a passé 11 ans veut nous dire non. Mais moi je me demande, ce monsieur-là, il joue à quoi Monsieur Makanera, vous jouez à quoi sincèrement Vous jouez à quoi quel est votre rôle sur la scène politique guinéenne Quel est votre rôle Ah, je me rappelle encore de ce monsieur qui disait que le premier gaou n'est pas gaou. Qu'il faut qu'on montre à Alpha Condé que nous aussi nous sommes des hommes. Ah, monsieur Makanera, c'est vous qui disiez cela à devant des gens. C'est vous qui vous tenez devant ces loups à faire son apologie au siège de l'UFDG. Il n'y a pas ce que vous n'avez pas dit par rapport à ces loups. Il n'y a pas d'apologie que vous n'avez pas dit par rapport à ces loups. Il n'y a pas de qualificatif que vous n'avez pas accordé à ce monsieur-là. L'homme le plus populaire, l'homme le plus influent, l'homme le plus patient. Hein? L'expérimenté. Il n'y a pas de qualificatif que vous n'avez pas collé à ce monsieur. -là. Et c'est vous qui êtes. Et Je me demande, ça ne ça, 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 ça m'étonne pas. C'est vous qui êtes là aujourd'hui à parler encore de ces loups. <laughs> oh, le ridicule ne tue pas en Guinée. Je vous jure que le ridicule ne tue pas en Guinée. Alors, M. Makanera, je vais vous dire quelque chose. Si vous savez réellement parler, hein? si vous savez réellement dénigrer quelqu'un, si vous savez réellement dire la vérité, et si vous avez des, sorties, des, des, des solutions de sortie de crise en Guinée, s'il vous plaît, aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, le préfet de Kouroussa est introuvable. Le préfet de Kouroussa, il est introuvable. Mesdames et messieurs, il n'y a pas longtemps, Kassori nous disait qu'il y a la stabilité en Guinée, qu'ils ont sécurisé tout en Guinée. Monsieur Kassouri, ça manifeste à Kouroussa. Ça manifeste à Kouroussa. Le préfet, il est introuvable. Il y a la violence. On est en train de brûler là-bas à Kouroussa. Ça, c'est la ville natale, soi-disant ville natale de Alpha Condé. C'est ça votre sécurité Monsieur Makanera, vous racontez quoi même à propos de Célou Est-ce que passer le temps à parler de Célou, c'est un projet de développement de la Guinée Vous allez vous asseoir pour dire que non, Alpha Condé, eh, il a deux choses. Alpha Condé, eh, c'est un monsieur qui est patient. Je vais vous décortiquer le mensonge de ce monsieur-là en disant que Alpha Condé, c'est un homme qui est patient. Vous savez, la patience a deux aspects. Il y a deux sortes de patience. On peut être patient volontairement et on peut être patient involontairement. Donc, être patient involontairement, moi je n'appelle pas ça patient. Quelqu'un qui est patient volontairement, j'appelle ce dernier patient. Ok Moi je peux appeler ce, ce dernier quelqu'un qui est longanime. Alors, on veut nous faire croire que Alpha Condé a fait 40 ans de lutte de combat politique en Guinée. Alpha Condé a patienté 40 ans pour la démocratie. Alpha Condé a, a patienté 40 ans pour avoir le pouvoir en Guinée. On veut nous faire croire qu'Alpha Condé est patient. C'est faux. C'est archi-faux. Je vous dis, je vous explique. Je vous explique. Alpha Condé n'avait pas autre choix que d'attendre. Il n'avait pas autre choix que de patienter involontairement. On l'a obligé à patienter. Ahmed Sectoré a obligé Alpha Condé à patienter. Alpha Condé était dans la peur. Ça, ce n'est pas une patience. Il ne pouvait absolument rien contre Ahmed Setouré Alpha Condé ne pouvait absolument rien contre l'Ansana Compté. Il ne pouvait absolument rien contre l'Ansana Compté. Donc, ça, ce n'est pas une patience. Il a tout essayé. Il a tout essayé autant d'en mettre Il n'a pas pu. Moi, je n'appelle pas sa patience. Il a tout essayé autant de lances en a Il n'y a pas de politique qu'Alpha Condé n'a pas essayé. Il n'y a pas de politique de déstabilisation que le monsieur n'a pas essayé. Il n'y a pas de politique d'envahissement qu'il n'a pas essayé autant d'en mettre autant de lances en a Ça, ce n'est pas être patient. Moi, j'appelle quelqu'un patient, quelqu'un qui patiente volontairement. C'est-à-dire, sa patience dépend de son propre gré. Mais quelqu'un qui n'avait pas autre choix, il savait qu'il rentrait en Guinée autant d'Amer Sectoré. Il était condamné à mort par contumance. D'accord Il rentre seulement, il est. On le tue, c'est fini. Il a tout essayé autant de lancer un compter. Militairement, il a essayé. Créer rébellion, il a essayé. Envahir le peuple, la nation, il a essayé. Hein Manipuler les syndicalistes et les Adjara où il a essayé, je vous ai dit la fois dernière, parce que depuis que Alpha Condé est devenu président en Guinée, on n'entend plus cette femme-là, cette fantôme de femme-là, Aja Sirajalo on n'entend plus, elle s'est tue. Et là, on comprend qu'elle était manipulée par Alpha Condé. Il n'y a pas ce que monsieur n'a pas essayé pour déstabiliser les pouvoirs en Guinée. Mesdames et messieurs, c'est ce que vous devez comprendre. Alpha n'a jamais patienté. Et quand Macanera va s'asseoir pour dire que, ben, pourquoi c'est dalain Lui, il pense que tout ce que les autres font, c'est pas bien. Ben, lui, c'est sa politique qui est la meilleure politique. Maintenant, monsieur Makanera, je vous renvoie la balle. Je vous renvoie la balle. Durant vos 40 ans, parce que vous traitez Alpha Condé, qui qu vous dites que Alpha Condé a fait 40 ans. Du, pourquoi durant les 40 ans là, de combat d'Alpha Condé il n'a jamais parlé du positif du pouvoir de Ahmed Sectoré. Il a toujours dit qu'Ahmed Sektouré était un dictateur, il était sanguinaire. D'accord Il a toujours dit que Lansana Comté a fait des routes de mort, des routes, qui mènent à, des routes qui mènent directement à la mort. Il a toujours critiqué la politique de développement, la politique de travail de Lansana Il a toujours dit que c'est des militaires, c'est des illettrés. La preuve, il a refusé de travailler avec ces gens-là. Il a refusé de travailler avec l'Ansana Conté Parce que pour lui, il était au-dessus de l'Ansana Conté. Alpha Condé n'a pas aimé le pouvoir de Ahmed Sektouré. Il n'a pas. C'est-à-dire, pour lui, il était le plus intelligent de tout le monde. Il ne croyait qu'en sa capacité. Or, il n'y avait rien dans son ventre, il n'y avait rien dans sa poitrine. Nous avons la preuve aujourd'hui. Monsieur Makanera. Vous traitez ces loups de... Vous, vous dites que ces loups n'a confiance que lui. Ben, dites, dites la même chose à Alpha, Alpha Condé. Parce que Alpha Condé, c'est lui qui pensait qu'il était meilleur que tous les autres Guinéens. Vous savez, Alpha Condé se croyait comme prophète. Lui-même, il a dit, devant des journalistes, il dit, vous savez pourquoi et toute la route Guinée a basculé dans le RPG arc-en-ciel Il a pris l'exemple sur le peuple juif de l'époque donc pour lui à un moment donné il est devenu le prophète de tous les malinqués de toute la route guinée c'est pourquoi je vous ai dit une fois je dis les parents qui ont qui sont rentrés dans le dans le RPG ils n'ont pas adhéré au RPG par euh, parce qu'il y a un projet de développement parce qu'il y a un bon projet de société non ils sont rentrés dans le RPG arc-en-ciel tout simplement parce que on a dit que voilà, M. Lansana Conte a tué les cadres malinqués. Et que Lansana Conte a dit au Fatara. Et Alpha Condé dit quoi Il dit c'est raison pour laquelle lui aussi, en 1993, il a dit n'importe quel malinqué qui votera pour Lansana Conte est un bâtard. Donc, Lansana Conte a parlé le militaire. Et lui, l'intellectuel, il a répliqué dans le même sens que Lansana Conte. Alors, entre Lansana Conte, l'irrétré et Alpha Condé, l'intellectuel, qui est plus irrétré parce que l'Ansana Conte a dit au fatara, et lui en 1993, il a répliqué en disant Tout malinqué qui voterait pour Alpha pour Lansana Conte est un bâtard. C'est comme si un fou dit Vous êtes malade et vous vous dites au fou mais vous êtes plus fou que moi. Alors, entre vous qui avez la conscience et c'est lui qui a perdu la, la faculté humaine, qui a vraiment perdu la faculté humaine? Je vous ai dit, tout dépend de l'interprétation et de l'explication. Makandera, taquez-moi ce monsieur-là. Je vous ai dit que c'est un fanfaron. C'est quelqu'un qui n'a aucune dignité. C'est-à-dire, il est, il, est, il, est, il est resté entre poule et pierre, entre le pôle nord et le pôle sud. Il a perdu toute sa valeur humaine. Sa parole n'a plus de crédibilité. Il n'est plus l'exemple de qui que ce soit en Guinée, ce monsieur-là. Et ce qui me fait rire. C'est que quand il parle de d'Alain Dalendiallo comme ça, il y a des ignorants qui l'applaudissent. Je me dis, mais Makanera, tu es fou, tu comprends absolument rien. Hier, tu étais, en, tu étais du côté de l'UIFDG et ce sont ces mêmes militants du RPG qui t'insultaient, qui te traitaient de n'importe qui. Ce sont ces mêmes militants aujourd'hui qui t'applaudissent parce que tu es en train de parler de ou négativement. Alors si tu as la bonne conscience, Makanera, tu dois comprendre cela. Tu dois comprendre qu'en réalité, tu n'as pas d'utilité dans le RPG, tu n'as pas d'utilité dans la mouvance. On se sert de toi simplement. L'argent qu'on te donne là, on se sert de toi tout simplement. Tout simplement. Alors, vous parlez encore de tribalisme pour dire que M. Céroudalén-Jalou va parler... Je vous pose la question, Makanera. M. Céroudalén-Jalou est devenu politicien quand en quelle année il est devenu politicien Si vous connaissez l'histoire de cet homme-là. Le tribalisme en Guinée. Qui a bonifié le tribalisme en Guinée Qui a mis un accent très particulier sur le tribalisme en Guinée, sur le régionalisme en Guinée Qui a vendu cela à tous les Guinéens Qui a vraiment envoyé le débat tribal, c'est-à-dire le, le tribalisme dans le débat politique guinéen le régionalisme dans le débat politique guinéen, le moi dans le débat politique guinéen. Qui a vraiment envoyé cela Qui En quelle année cela est vraiment venu en Guinée Qui a envoyé cela N'est-ce pas c'est le RP Jarc-en-Ciel N'est-ce pas c'est Monsieur Alpha Condé N'est-ce pas c'est Monsieur Alpha Condé qui s'est traité, qui s'est tagué la poitrine en se considérant prophète de la haute Guinée, parce que lui-même il a avoué. Il dit, mais vous savez, quand un peuple se sent opprimé, d'accord, quand un peuple se sent opprimé, et qu'un sauveur vient, ben, un soi disant sauveur vient, ben les gens vont l'aimer, les, les gens vont rentrer dans son parti politique. Je me dis, ah donc, vous vous considérez comme, M. Alpha vous vous considérez comme un prophète de la Haute Guinée C'est pourquoi les gens sont rentrés dans votre parti politique. Ah, donc pour vous, le peuple de la Haute Guinée était un peuple opprimé à l'époque. Donc, vous êtes conscient que le peuple là était opprimé à l'époque. C'est pourquoi vous êtes en train aujourd'hui d'opprimer une autre communauté en Guinée. Alors, quand on dit que c'est le, le prophète de la, de la moine Guinée, ou tout du moins d'une de, de, très grande partie du, du peuple de Guinée, il ne faudrait pas que cela vous dérange. Hein? Il ne faudrait pas que vous considérez cela comme le tribalisme, comme du régionalisme. Quand on dit que oui, c'est l'Oudalin, il est la lumière de la communauté Peul, mais ça, ça vient de vous, parce que vous-même, vous vous êtes déclaré que vous êtes le prophète de la Haute-Guinée. C'est pourquoi toute la Haute-Guinée a basculé dans le RP Arc-en-Ciel. Ce n'est pas sorti de la bouche de M. Kanté, c'est sorti de la bouche de M. Alpha Condé lui-même, devant des journalistes. M. Makanera, j'aimerais que vous me dites quelque part. Vous avez dit dans votre narration, dans votre allocution, dans votre discours sans queue ni de tête, que comment quelqu'un peut passer 40 ans dans une région sans parler la langue. Dites-moi, M. Makanera, vous êtes peut-être diakanke, Ou bien vous êtes Soussou, je ne sais pas. Vous parlez combien de langues de la République de Guinée? Non, parce que, attendez, hein, il ne faut, il faut pas que les gens pensent que la Guinée se résume seulement. Malinqué Peul Sousou. En Guinée, il y a 24 ethnies. Monsieur Makanera, je vous pose la question. Les 24 langues qui constituent les 24 ethnies de la Guinée, Ahmed Sektouré, le père de l'indépendance ou l'un des pères de l'indépendance, il parlait combien de langues Parmi les 24 langues de la Guinée, Ahmed Sektouré, il parlait combien de langues Il était malinqué, ok. À part cela, il parlait combien de langues Ahmed Sektouré parlait le boulard Ahmed Sektouré parlait le guerzé, Il comprenait le Thomas Est-ce qu'Amad Sektouré parlait le Baga hein? C'est parce que les Français sont rentrés en Guinée. Ils ont considéré Conakry comme la capitale de la Guinée. Alors, si les Français avaient considéré la, euh, la ville de Zerekouré comme la capitale de la Guinée, là, il y a sept, il y a sept ethnies. Sept ethnies dans la Guinée forestière. Si je ne me trompe pas. Si on avait considéré, par exemple, le pélé comme la langue de la capitale guinéenne, est-ce qu'on est qu aurait dit aujourd'hui qu'il y a des gens qui ne parlent pas soussou Non, parce que le soussou, serait complètement ignoré. Vous reprochez à CDD de n'avoir pas parlé le soussou. Mais dites-moi, dans la constitution guinéenne, il est dit qu'il faut parler forcément le soussou pour être guinéen c'est un faux débat, monsieur Makanera. Vous savez, j'avais de la considération pour vous et pour votre intellect. Je ne pensais pas que vous avez aussi un niveau très bas de l'analyse. Si vous venez pour abîmer ce monsieur-là, moi je ne vais pas vous permettre. Ça, c'est des discours sans queue, ni de haine, ni de tête. Ça, c'est des discours d'aigreur et de haine. Ça n'a pas de sens. Vous êtes considérés, vous étiez considérés comme des élites de l'État. Vous êtes censé apporter des discours de paix. Vous êtes censé apporter des discours d'apaisement de, de la situation. Vous êtes censés être des hommes de paix. Vous êtes censés être des hommes de réconciliation entre ces deux, ces deux partis politiques de la République de Guinée. Vous n'êtes pas censé hein, devenir quelqu'un qui serait là à dénigrer le représentant, c'est-à-dire de... Disons, vous n'êtes pas censé être le, le, le dénigreur de l'homme le plus influent de la République de Guinée. Et vous pensez que faire cela, peut-être que ça va vous donner de la crédibilité? Non. Alors, M. Makanera, moi, je vais vous dire quelque chose. Parce que vous avez des analyses, vous analysez la situation, vous avez des analyses très élémentaires de la situation. Bien sûr. La langue la plus parlée de la République de Guinée, c'est la langue polaire. La langue polaire est plus parlée que la langue malinquée. Écoutez bien. La langue la plus parlée de la République de Guinée, c'est la langue polaire. OK La langue la plus parlée de la République de Guinée, c'est la langue polaire. Après, la langue polaire, c'est la langue malinquée. OK mais quand on vient en termes de Mandingue, le Mandingue, on appelle la langue là, on appelle l'onko. C'est-à-dire que maintenant cette langue regroupe les Malinké, les Koniaké, les kronko, les jakanké Ça fait combien d'ethnies Ça fait quatre. Donc l'onko, ça regroupe toutes ces ethnies là. Mais quand on prend la langue, la, la, le Malinké, l'ethnie Malinké, le poulard est plus parlé en Guinée que la langue Malinké. Mais quand on prend l'onko, l'onko est plus parlé en Guinée que le polar. Parce que l'onko regroupe plus de cinq ethnies en Guinée. Si vous voulez, on peut ajouter même le soussou. Mais quand on prend ethnie par ethnie, la, le polar est parlé plus que toutes les langues de la République de Guinée. Alors dites-moi, M. Alpha Condé, il parle le polar. M. Alpha Condé, il parle combien de langues de la République de Guinée Hein? Quelqu'un qui parle en malinqué, la langue de son père. En parlant dans le, dans le malinqué, il faut des assistants. Sinon, il peut insulter. Parce que chaque fois qu'il parle le malinqué, c'est des injures. Alpha Condé ne sait pas parler la langue de son père. Dommage. C'est regrettable. Et même la langue de sa maman. On dit que sa maman était de Boké. D'accord Même la langue de sa maman. Il ne sait pas parfaitement parler de ça. Maintenant, dites-moi, M. Alpha Condé, il parle quelle langue correctement de la Guinée Correctement, à part le français. Le français n'est pas une langue de la Guinée. D'accord Alpha Condé parle correctement quelle langue, sans assistance, sans défaut, ni rien. Sans articuler, sans, c'est-à-dire sans mettre, sans mettre un mot français. Alpha Condé, il parle clairement quelle langue de la Guinée Monsieur Makanera, je vous pose la question. Monsieur CDD peut parler le sans employer un mot français. Alors Alpha Condé peut parler quel mot, quelle langue de la Guinée sans employer le français? Ni la langue de son père, ni la langue de sa mère, d'accord, ni aucune langue de la Guinée, Alpha Condé ne peut parler correctement. Vous qui reprochez à CDD de n'avoir pas parlé d'autres langues de la République de Guinée, Ahmed Sétouré parlait combien de langues parce que vous pensez que quelqu'un qui parle le soussou, le poulard, le malinqué en Guinée, c'est le bon Guinéen. Vous vous trompez. Ça ne fait que trois. Or, nous avons 24. Même si vous parlez 5 langues de la République de Guinée, vous n'êtes pas considéré comme un véritable Guinéen. Divisez les 24 par deux. Ça vous donne combien Ça vous donne, ça vous donne 12 langues. Alors, dites-moi, quel est le Guinéen qui parle 12 langues de la République de Guinée Quelqu'un qui parle 12 langues de la République de Guinée, chapeau à vous, vous êtes le meilleur des Guinéens. Vous pouvez aller où vous voulez en Guinée. Vous, vous pensez que la Guinée se résume au poula, au Peul, au Malinke et au Soussou La Guinée va au-delà de ça. Monsieur Makanera, vous parlez le Konyaké Vous parlez le guerzé? Vous parlez le Thomas Est-ce que vous parlez le Kishi Vous parlez le Nalou Hein? Vous parlez le cono? Monsieur Makanera, dites-moi. Est-ce que vous parlez ces langues-là? Parlez pour parler. parler pour parler. Vous pensez que c'est ça? Moi je ne vais pas vous permettre. Je vous ai dit, à chaque fois que vous faites des sorties pour dénigrer ce monsieur-là, je serai là pour vous rectifier. Ça, c'est des débats entre des, entre des petits gens du quartier qui peuvent se tenir à cela. Même les journalistes vous ont rappelé pour vous dire que ce n'est pas un critère. Et puis, il va dans son ignorance en disant Non, 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 c'est important. Non, 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 c'est important. C'est comme si à l'Assemblée guinéenne, on parlait une langue guinéenne là-bas. Les députés entre vous, est-ce que vous parlez le soussou à l'Assemblée Guinéenne Est-ce que vous parlez le Kognacki Est-ce que vous parlez le poula Est-ce que vous parlez le Guerzé Est-ce que vous parlez le Thomas là-bas Est-ce que vous parlez le baga, le Nalu là-bas Est-ce que vous parlez le Merefore là-bas Est-ce que vous parlez le tout couleur là-bas Dites-moi, est-ce que vous parlez le conon là-bas à l'Assemblée Ce sont ces gens-là qui se, qui, se, qui se prennent pour, pour, pour quelqu'un en Guinée. Et puis il est là, il se gêne même pas. Ah non, Dieu a dit, celui qui patiente, c'est ça. On n'est pas dans Dieu en Guinée. On est dans le respect des lois en Guinée. La République n'a rien à voir avec Dieu. La République a des règles qu'on doit respecter. Ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. En tant qu'on mélange les lois de la République à Dieu, on ne va pas avancer. Makanera, arrête ça. On n'a pas besoin de tes sourates-là. On n'a pas besoin de tes hadiths-là. On s'en fout de ça. Nous, on a besoin du respect des lois de la République. C'est ce qui va nous permettre d'avancer. On n'a pas besoin que tu nous étales les lois du Coran. La, loi la Guinée n'est pas un pays islamique. Ne nous, nous parle pas de la patience d'Alpha Condé. Ça, c'est dans le Coran. Ça, c'est votre problème, ça. Nous, nous savons qu'Alpha Condé n'a jamais été quelqu'un qui a été patient. Non. Je vous ai détaillé la patience. Quelqu'un qui n'a pas de choix. Là, mais la personne est, est, est obligée de patienter. C'est comme si vous venez en Europe ici, vous demandez l'asile. D'accord Vous venez en France, vous demandez l'asile. Vous êtes obligé de, poursu de suivre le rythme d'évolution de votre dossier. Vous êtes obligé de patienter, cette patience là. OK, ça c'est obligatoire, ça ne dépend pas de vous, vous êtes obligé. OK Ça ça n'a rien à voir avec la patience. Alpha Condé n'a été ni de près ni de loin un homme de pas, un homme patient. Il n'a été ni de près ni de loin un longanime. Quelqu'un qui a tenté par tous les moyens pour avoir le pouvoir en Guinée. Comment est-ce que des ignorants, des perroquets, des fanfarons peuvent venir s'asseoir devant nous pour dire que ce monsieur-là, il a été patient C'est dommage. C'est dommage pour des gars pareils. C'est pourquoi je vous dis que si moi, quand j'avais la possibilité d'aller prendre certaines personnes en Guinée, les envoyer ici en Europe, passer au moins une année à les envoyer aux États-Unis, passer une année à les envoyer en Chine, les envoyer en Russie, pour qu'ils voient l'évolution du monde et les rapatrier en Guinée, pour qu'ils grandissent, c'est-à-dire en conscience et en intellect, ça me fera plaisir. Parce que ces gens-là pensent que le monde vit au rythme de la Guinée. C'est pourquoi nous, quand, on nous, parle, quand, quand nous parlons, nous c'est-à-dire nous avons toutes les difficultés à nous faire compre comprendre en Guinée. Parce que tout simplement, nous ne regardons pas les mêmes choses. Nous n'avons pas les mêmes visions. Et quand je dis que je suis visionnaire, ça, ça fait mal à certaines personnes. Et il faut regarder le rythme d'évolution du grand monde. Monsieur Makanera, il faut sortir à Bokeh, sort de la Guinée. Viens ici en Europe. Il faut marcher un peu dans le monde entier. D'accord Cherche le visa. Va aux États-Unis. Va en Chine. Va en Russie. Va en Allemagne. Viens en France. Va en Belgique. Va en Hollande. D'accord Va dans ces pays développés-là. Va au Japon. Pour voir au moins le rythme d'évolution du monde. Va dans les pays où le matin, chaque, chaque matin, quand tu te lèves, tu penses que c'est la guerre civile. Dans les métros, c'est rempli. Les tunnels, c'est rempli. Le matin, tu vois les, les enfants, les femmes, les vieillards, les adultes, tout le monde est mélangé. Nous allons au travail. Sors un peu de la Guinée pour voir l'activité du monde entier. La Guinée tourne au ralenti. C'est pourquoi ton cerveau, là, ça tourne au ralenti. Dans la tête, là, ici, en Europe, aux États-Unis, dans ces pays-là, Là où, c'est-à-dire, l'activité est vraiment euh, hyper, hyper, là. Ce n'est pas Maragoulani qui est dans la tête des gens ici. OK Les gens ne tournent pas ici au ralenti. Tout va en vitesse, tout va très vite dans le monde, là. C'est seulement dans votre dîner, là, que ça tourne au ralenti. C'est pourquoi, quand les hommes visionnaires vous parlent, vous pensez que c'est de la blague, vous pensez que c'est de l'admisement. Ça vous sert à quoi d'aller dénigrer un homme Devant des médias, ça vous sert à quoi ça, 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 apporte, ça apporte quoi à la Guinée Ou juste, ça apporte quoi Mesdames et messieurs, partagez la vidéo pour que ce fanfaron-là y voit. Pour qu'au moins l'un de ses amis ou l'un de ses collaborateurs voie. J'ai fait cette vidéo uniquement pour le taper, s'il vous plaît. Pour que prochainement, il contrôle son verbe. Pour qu'il contrôle son verbe. Tu parles de tribalisme, tu parles de régionalisme, tu dis que c'est seulement euh, depuis que M. CDD est, est venu à la tête de l'UFDG, ben, toute la moyenne Guinée est maintenant euh, vote. On, on a dit à la Guinée si tu n'es pas l'UFDG, tu es contre tous les peuples. Mais je vous pose la question, Makanera. Vous avez dit que la moyenne Guinée, c'est votre discours, la moyenne Guinée était la région la plus démocratique en Guinée. Alpha Condé gagnait là-bas, Bamamadou gagnait, Sirajou Diallo gagnait, bon, ils se partageaient là-bas. Maintenant, je vous pose la question. En Haute-Guinée, M. Sirajou gagnait combien de voix M. Bamamadou gagnait combien de voix Monsieur Lassana Conte gagnait combien de voix Monsieur Jean-Marie Douré gagnait combien de voix En Haute-Guinée. N'est-ce pas toute la Haute-Guinée votait pour Alpha Condé Hein n'est-ce pas une partie même de la moyenne Guinée votée pour Alpha Condé? C'est pour vous montrer une fois de plus que cette moyenne Guinée-là, je vous ai dit la fois dernière, je vous ai dit que la moyenne Guinée est le cœur de la Guinée. C'est l'épine dorsale de la Guinée. C'est le centre de la démocratie. Vous-même, vous, vous l'avez confirmé. Vous dites qu'en moyenne Guinée, il y avait la démocratie. Jusqu'à présent, il y a la démocratie en moyenne Guinée. Mais vous savez, quand vous prenez les gens comme des naïfs... Comme des bêtes. Ok? Comme des gens inintelligents, dépourvus de toute faculté humaine. À un moment donné, les gens ils gagnent en maturité, ils gagnent en intelligence. Dans la région où vous appelez fief du RP charc-en-ciel, M. Bamamadou gagnait combien de voix là-bas Monsieur Siladio gagnait combien de voix là-bas N'est-ce pas, ces gens-là ne gagnaient pas de voix C'est Alpha Condé seulement qui gagnait là-bas. Hein n'est-ce pas là, ça n'a compté, ne gagnait pas de voix là-bas. C'est Alpha Condé qui gagnait seulement la voix là-bas. Alors entre la moyenne Guinée et la haute Guinée, quelle est la région la plus démocratique en Guinée Parce qu'Alpha Condé gagnait en moyenne Guinée. Vous-même vous, vous l'avez confirmé. Alpha Condé lui aussi il l'a confirmé. Mais ce qu'il n'a pas dit, il n'a pas dit combien Sirajou gagnait en haute Guinée. Ce qu'Alpha Condé n'a pas dit, il n'a pas dit combien Bamomadou gagnait là-bas en haute Guinée. Il n'a pas dit combien Jean-Marie Doré gagnait là-bas. Mais je vous ai dit, vous savez, Alpha Blondy a chanté que le monde n'est pas devenu difficile ni dur. Ceux qui étaient considérés comme des bêtes, comme des hommes inintelligents, ce sont ces hommes là qui sont devenus plus intelligents que ceux qui se sont considérés comme intelligents. C'est pourquoi le monde est devenu difficile. Vous dites que c'est euh, l'UFDG qui a instrumentalisé la moyenne Guinée. Ce n'est pas l'UFDG. Seulement les gens ont compris que écoutez, ces gens-là, ils viennent dans notre région pour nous instrumentaliser. Nous, nous avons l'esprit démocratique. Mais eux, ils ont l'esprit régionaliste. Pourquoi nous votons pour Alpha Condé ici en moyenne Guinée Pourquoi on ne vote pas? Pour nos fils en Haute-Guinée. Pourquoi Bamamadou ne gagne pas la voix correspondant à la voix qu'Alpha Condé gagne en Moyen guinée Pourquoi radio ne gagne pas la voix correspondant à la voix qu'Alpha Condé gagne en Moyen guinée Hein Vous n'avez pas dit cela. Et les gens ont compris. Alors, quand les gens votent maintenant pour Seloudal Ndiallou en moyen guinée les gens votent pour Seloudal Ndiallou en basse côte, les gens votent pour Seloudal en Guinée forestière, vous pensez que c'est quoi? C'est pas seulement la moyenne Guinée. Parce que c'est votre discours, Makanera. Ah non, vous voulez faire croire aux Guinéens que c'est seulement la moyenne Guinée qui vote pour Selou dans le Mais c'est faux. C'est archi faux. C'est faux et faux. Pourquoi vous avez empêché Selou d'aller battre campagne à Cancan? Pourquoi? Si vous, aviez vraiment, si vous étiez vraiment sûr de vous, de votre capacité, pourquoi vous avez refusé l'homme d'aller battre campagne C'est parce que la région que vous, vous considérez, vos, vos, la, la mouvance, le RPG considère son fief là. Hein Impénétrable là. Les enfants de là-bas, ils avaient promis à ces loups qu'ils allaient voter pour lui. Et ils ont voté pour ces loups. Ils avaient, ils avaient promis à ces loups. Qu'ils allaient l'accueillir avec autant de ferveur et à autant de chaleur humaine. Cela est tombé dans les oreilles d'Alpha Condé. Et Alpha Condé sait très bien qu'il était décrié là-bas. Parce qu'avant les élections, la jeunesse de la Haute-Guinée s'est mobilisée pour, pour, pour organiser une manifestation. Parce qu'on les a promis barrages hydroélectriques, on ne les a pas donnés. Et ils ont vu les réalisations de ces loups en Haute-Guinée quand il était ministre. Il n'a pas fait beaucoup, mais le peu qu'il a fait, ils ont senti son réalisme. C'est pourquoi, à un moment donné, les jeunes conscients de la Haute Guinée se sont mobilisés. Ils ont dit Personne ne viendra nous tromper ici. Nous allons accueillir ces loups. C'est un fils de la Guinée. Mais comme ils ont instrumentalisé des drogués, d'accord, ils ont instrumentalisé des drogués et la police, ils sont allés arrêter le monsieur. Des bandits, des voyous drogués sont arrêtés. Le monsieur à Tokono. Habitants de Tokono, vous avez fait du mal à vous-même. Bien sûr. Vous avez vu, je ne me réjouis pas de cela. Vous avez vu tout dernièrement, le feu a brûlé le village là. Je ne me réjouis pas de votre malheur. Mais ce que vous avez fait, ça ne se fait pas. Vous avez barré la route. À l'un des fils dignes de la République de Guinée, ça ne se fait pas. Vous avez été complice, vous, vous l'avez absous. Alors vous, vous ne devez pas crier à la souffrance du troisième mandat. Monsieur Makanera, pourquoi vous n'avez pas dit ça quand vous avez parlé hier à cette radio manipulée Des journalistes qui sont assis et en vous regardant les yeux agar, la bouche ouverte comme ça, comme des enfants. Ils sont aussi payés pour ça, pour dire, quand Makanera vient, il faut le laisser, il va parler de ses loups, ben c'est comme ça, et voilà, et il faut parler de ses loups, il faut le dénigrer. Mais, vous les pseudo-journalistes de cette de, ce, de, de cette radio-là, vous savez en réalité, vous manquez du professionnalisme. Même dans un match de foule, de football, un arbitre qui est corrompu, il fait un semblant au moins d'impartialité. Il fait un semblant. Mais vous, vous ne, faites, vous ne savez même pas faire le semblant. Vous montrez à tout le monde que vraiment, là, là, vous êtes en train de laisser aller, quoi. Ça ne se fait pas. Monsieur Makanera, je vous pose la question. Vous avez dit, 11 ans, Monsieur Siloudalin a fait à la tête de... Il a, il a fait 11 ans dans le gouvernement de Lansana comté. Mais je vous pose la question, Monsieur Makanera. C'est loup à étudié comme vous. En Guinée. C'est loup à étudié comme vous. C'est loup. Il n'est pas plus grand que vous. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il a, qu qu a rendu plus grand que vous? Parce que il a travaillé pour la Guinée. Parce qu'il a été un homme crédible et il est toujours un homme crédible. Parce que il a eu la confiance maître Sectoré. il a eu la bénédiction maître Sectoré. il a eu la bénédiction des sages de Farana, il a eu la confiance des sages de Farana. Parce que il a eu la bénédiction de Lansana Conté, parce qu'il a eu la crédibilité de Lansana aux yeux de Lansana Conté, parce qu'il a eu c'est-à-dire tout le respect de l'Ansana. Depuis 1984 jusqu'en 2005, la Guinée a connu combien de premiers ministres La Guinée a connu combien de ministres On dit de ces loups qu'il est le ministre qui a eu la plus longue longévité de tous les ministres de lansana comptés. Alors ça veut dire que c'est un enfant béni. Sans la bénédiction, sans la franchise, sans l'honnêteté, sans la sincérité. D'accord? Sans la crédibilité, sans la sagesse, on ne peut pas, tra ne peut pas être traité comme l'homme ayant la plus longue longévité parmi les ministres d'un régime militaire qui a fait 24 ans au pouvoir. Vous pensez que nous a faire des sacrifices humains pour se maintenir au pouvoir là, pour être ministre, pour avoir cette longévité? Vous pensez qu'il a fait du maraboutage? Non. Je vous pose la question. Monsieur Lansana Conti a eu combien de premiers ministres pour que vous vous focalisiez seulement sur Seroudal Ndjalo, qui a fait une année, si je ne me trompe, une année, trois mois et quelques jours, 25 ou 27 jours en tant que premier ministre. Une année. Monsieur Sidi Atouré a été premier ministre de 1996 jusqu'en 2000, si je ne me trompe, si je ne m'abuse. Ça fait combien d'années Ça fait plus de. Ça fait, ça fait quelque chose de 4 ans ou de 3 ans. Mais on parle au moins de Sylvia Touré. On parle plus de Selou qui a fait juste une année, trois mois et quelques jours, 27 jours, si je ne me trompe. Mais ça, c'est quoi Ça veut dire quoi Eugène Camara a été premier ministre. monsieur' Lanzana Conte a connu combien de premiers ministres en Guinée Il a nommé combien de premiers ministres Les maîtres Lamine là ils ont été premier ministre en Guinée, si je ne me trompe. Pourquoi les présidents de l'Assemblée sont parés qui est mort là On parle moins de ces gens-là, on parle plus de Selou. Est-ce que Selou était plus influent que les sont Est-ce que Selou était plus influent que les maîtres Sidibé Est-ce que Selou était plus influent que Sidia eh, 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 Touré qui les a envoyés, lui et Kassouri Fofana, dans le gouvernement de 1996 Parce que Kassouri Fofana et Selou eh, d'Alen ils ont appartenu au gouvernement de Sidia Touré de 1993. Sidia était leur premier ministre. Maintenant, pourquoi on parle moins de ces gens-là On parle plus de ces loups. Maintenant, quand on vous parle, quand on vous dit que vous stigmatisez ces gens-là, vous attaquez ces gens-là, vous nous dites, ah non, c'est une communauté qui aime la victimisation. Ce n'est pas, ils ne se victimisent pas, ils sont victimes, c'est ça la vérité. Et c'est ce, ce que vous n'aimez pas qu'on dise. On le dira, moi je le dirai. Je le dirai haut et fort. Que ça vous blesse ou pas, je m'en tape. Dites-moi, mes frères et sœurs. Peut-être les plus jeunes ne savent pas. Les plus jeunes pensent peut-être que Célou Dalin il a été premier ministre de 84 jusqu'à 86. C'est faux Célou Dalin a été premier ministre en de, de 2005 à 2006. Justement ça. 2005-2006. Durant tout le temps, il a, été, il a été ministre des Transports, ministre temps, ministre temps, directeur temps, directeur temps. Les plus jeunes, vous qui êtes le plus jeune là, vous ne connaissez absolument rien de la gestion de la Guinée. Vous ne connaissez pas les ministres de la Guinée. Sachez qu'il y avait des ministres de 84 jusqu'en 2005. L'ensemble a toujours eu des premiers ministres en Guinée. Toujours des premiers ministres. Il y en a même qui, dont la durée a dépassé CELU. CELU n'a fait qu'une une année, quelques mois et quelques jours. Maintenant, pourquoi tant d'acharnement Pourquoi tant d'aigreur contre ce monsieur-là pourquoi Moi, je ne comprends pas. Venez me dire, je ne comprends pas. C'est comme si loups avait la bénédiction du ciel. Il avait détourné tout en Guinée et qu'il n'y avait personne pour le corriger. Est-ce que là, il n'est pas béni que tous les Guinéens Quand je dis souvent, ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Hum? C'est comme si le monsieur, il a vendu toute la Guinée. Et il se pavane en Guinée, il n'y a aucun Guinéen qui peut l'arrêter, le juger, le condamner. Il n'y a aucun Guinéen. Est-ce que ce n'est pas l'homme le plus béni de la République de Guinée Hein Ceux qui disent souvent qu'il a envoyé tous les biens, il a vendu tout en Guinée, il les, il les a envoyés au Sénégal. Mais vous êtes malade Comment quelqu'un peut vendre votre. C'est-à-dire, vous êtes père, vous êtes le fils d'un père de famille. Écoutez bien. Je vais vous expliquer terre à terre. Vous êtes les fils d'un père de famille. Un père de famille qui a eu 20 enfants, 10 enfants. Il a laissé beaucoup de biens. Et on dit qu'il y a l'un de vos grands frères qui a vendu presque la totalité ou la moitié de, de l'héritage de votre papa. Mais levez-vous pour récupérer. Laissez les politiques là. Vous qui êtes là dans les commentaires à dire qu'il a vendu au Sénégal, vous êtes des Guinéens. Allez-y attaquer ces loups. Allez-y l'attaquer. Je vois des militaires têtus, des militaires bornés, qui disent que ces loups ont pris tant, 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 tant. Mais vous qui êtes militaires là, vous avez des kalachinikovs, vous avez des grenades, vous avez tout à votre possession. Comment vous pouvez imaginer que loups a pris l'héritage, parce que la Guinée, ça nous appartient tous. Comment vous pouvez imaginer que nous il a pris une très grande partie de l'héritage guinéen, il a envoyé au Sénégal, et que vous qui êtes considérés comme euh, force de l'ordre, vous êtes incapables d'arrêter cet homme-là. Pourquoi Si ce n'est pas la malédiction, tous les gens qui disent que loups a envoyé des biens au Sénégal, vous êtes maudits. Moi, je ne le dis pas. Tous les gens qui disent que c'est nous a vendu avion, il a vendu rail, il a vendu bâtiment, il a vendu bateau, il a vendu usine, vous êtes des maudits. Vous savez pourquoi vous êtes maudits? Parce que vous avez ces devant vos yeux. D'accord? Vous l'avez devant vos yeux. Il est à Conakry, il était à Espace, il était à Joma Media, il est partout, il va dans les mosquées. Vous êtes incapables de l'arrêter, vous êtes incapables de l'atteindre, vous êtes incapables de lui faire du mal. Et c'est lui-même que vous appelez votre champion, Alpha Condé. Il est incapable de faire du mal à ses Il est incapable de l'arrêter, il est incapable de le juger, il est incapable de l'emprisonner. Alors pourquoi vous, citoyen lambda, quelqu'un qui est au pouvoir, qui a confisqué le pouvoir, qui a le monopole de tout, ce dernier dit que c'est loups, il a vendu. Mais Alpha Condé, c'est un incapable. Comment tu peux imaginer que quelqu'un qui a pris une partie de l'héritage de votre papa. Maintenant vous vous êtes au pouvoir, lui n'est pas au pouvoir, et vous avez été incapable de fournir des preuves pour l'arrêter et l'emprisonner. Mais vous êtes là à gueuler, vous êtes là à parler, vous êtes là à vendre, euh, c'est-à-dire de la haine à la population pour dire c'est lui a vendu, c'est lui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Moi je ne suis pas dans c'est lui a fait ça. Je vous demande envoyez des preuves à l'arrêter, arrêtez-le, mettez-le en prison si vous avez la capacité. T'es maudit comme ça là. Monsieur Makanera, peut-être que vous aussi vous le dites. Ah, si vous le dites, vous êtes, vous êtes, dans, vous êtes dans cette classification de, de, de malédiction. C'est lui, il est béni. Même si c'est moi. Mesdames et messieurs, ben je vais, je vais m'habiller correctement dans les basins blancs. Je vais me costumer comme ça, là, me cravater. Marcher devant ces, ces, ces maudits-là. Je dis, mais euh, si vous avez le couille. Si vous, avez, vous vous portez vraiment des pantalons, venez m'arrêter, si vous êtes vraiment des hommes, venez m'arrêter et c'est ce qu'il fait en longueur de journée. il passe, il est dans de belles voitures, des voitures de classe. Hein? il monte, il descend, il, il prend même des cortèges, il prend des centaines de voitures, il va battre campagne à Zéré-Coré. des maudits sont là. Eh non, c'est l'argent du peuple, mais pourquoi vous l'arrêtez pas. Quand ils sont en manque d'argumentation, c'est qu'ils sortent chaque fois. Oh non, c'est un voleur. Mais toi, tu es bête. Quelqu'un a volé, c'est-à-dire quelque chose qui t'appartient. Et tout ce que tu sais faire, c'est de dire à la personne voleur "Tu es bête, tu es maudit, tu n'es pas digne de ton père." <laughs> je ne comprends pas. Moi, si quelqu'un, je traite, je considère que quelqu'un à voler une part de, de l'héritage qui me revient. Je sais que c'est issu de mon père, c'est l'héritage de mon père, d'accord. Je considère que une personne a pris, c'est-à-dire une très grande partie de cet héritage là. Mais moi, je te traite pas de voleur. Mais moi, je t'envoie devant la justice parce que j'aurai des preuves. Je t'envoie devant les juridictions. J'aurai des preuves. Je vais pas m'asseoir. Je te dirai pas voleur. Vu que nous sommes dans un pays où il y a quand même, eh, disons, il y a pseudo loi, d'accord, mais je, je peux te plaindre contre toi. Même s'il faut porter plainte contre ce dernier euh, devant toutes les institutions du monde entier, je suis prêt à faire parce que je considère que ça, ça m'appartient. Des fainéants comme ça qui viennent s'asseoir, se flanquer devant des gens pour euh, parler de ces loups. Vous pensez que c'est votre ami Hein Vous pensez qu'il est, il est égal à vous Hein? C'est un enfant qui est bien né. Hein? Il a la bénédiction. Il est béni. C'est pourquoi, quand il parle, il y a des milliers de personnes qui, qui sont en direct, qui le regardent. Et ils vont beau dire qu'il ne représente rien. Mais dès qu'il s'assoit seulement pour parler, on, on les voit comme ça, les yeux comme ça, ils l'écoutent. Et le, le, le fanfaron lui même il dit Eh ben c'est lui il parlait je l'ai écouté. Le journaliste le dit même Ah ben parce que c'est lui loups hein. c'est pour dire c'est lui loups hein. Attention c'est l'homme le plus influent hein. moi ça m'a beaucoup plu. Quand ils l'ont dit ben, c'est lui loups, hein, ça veut dire que quand ces loups parle, quand il parle, c'est toute la Guinée qui l'écoute.